On avait passé un arrangement, gêné, Gabano révèle ça avec Lucie Mariotti de la Villa des Cœurs Brisés. Nathalie Andréani et Gabano Manon, en couple depuis plusieurs mois, ont franchi une nouvelle étape au mois de novembre dernier, le mariage. Nathalie, je pense que tu es la femme de ma vie, a déclaré le jeune homme le jour de l'heureux événement. Il faut dire que tous les deux sont inséparables depuis leur rencontre. Avec Nathalie. On s'est rencontrés à Marseille, sur le jury de Miss Esthétique. Je ne la connaissais pas. Mais on s'est super bien entendu, a confié Gabano Manon dans une interview accordée à Jurant Star. Depuis, le duo a eu l'idée de travailler ensemble, et pense même à fonder une famille. Il n'est jamais trop tard, considère l'ex-compagnon de Nadège Lacroix. Faux amoureux l'un de l'autre, Nathalie Andréani et Gabano Manon n'hésitent pas à parler librement de leurs anciennes relations. Mais il semble qu'ils ne se sont pas tout dit. Dans un nouvel entretien accordé à Sam Zira. Nathalie Andréani a effectivement appris que son bien-aimé aurait fréquenté Lucie Mariotti. La célèbre love coach de la Villa des Cœurs Brisés. C'est particulièrement surpris que Nathalie Andréani a appris que son époux a eu une aventure avec Lucie Mariotti. Non par contre ce n'est pas drôle. Elle est en couple Lucie, a déclaré l'ancienne candidate de Secret Story. Visiblement gênée, Gabano a tenté de se défendre, non, mais elle s'était séparée. C'est compliqué, mais en fait c'était le dilemme pour que je rentre dans l'émission des cœurs brisés à l'époque. On avait passé un arrangement, elle m'a dit que, voilà, si je voulais rentrer dans l'émission. Il fallait faire ce qu'il faut avec elle. Une confidence qui n'a pas manqué de surprendre Sam Zira. Non, mais elle n'est pas comme ça Lucie. C'est quoi Gabano a répondu, tu la connais? Moi aussi je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Du coup, je suis rentrée dans l'émission, et après la relation qu'on a eue avant ça ne s'est pas très bien passé. Et c'est pour ça qu'elle ne m'a fait aucun coaching. Pour l'heure, Lucie Mariotti n'a pas encore réagi à ses confidences.